Alors, bonjour YouTube, on est en live sur Twitch avec évidemment le chat de l'Arma TVHS et aujourd'hui, on va pas analyser des trucs, on va pas analyser la méta, on va enfin s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner une roue. Cette roue va décider de quelle classe je vais jouer. On va également tirer au sort un nombre. Donc ça, c'est le nombre de légendaires que j'ai sur mon compte Asie. Donc c'est un compte où j'ai pas beaucoup de cartes, mais je suis quand même légende parce qu'on va faire du ladder légende. Et l'idée, c'est que je vais tirer au sort une classe, je vais tirer au sort un nombre pour savoir quel légendaire je vais utiliser. Le nombre va déterminer la légendaire que je dois mettre dans mon deck. J'aurai quelques minutes pour faire un deck. Et l'idée, c'est que si j'arrive pas à gagner une game avec ce deck créé vite fait avec la légendaire qui a été tirée au sort, eh ben je serai obligé de la déz. Ça, c'est quand même très triste parce que sur ce compte, vous voyez, j'ai que 27 légendaires et en général, c'est que celles qui sont jouables. Donc du coup, on va faire un premier essai histoire de prouver que c'est pas truqué. Donc là, j'aurais dû jouer prêtre. Et cette fois-ci, bon, on va y aller. Cette fois-ci, on clique. On va voir la classe que je dois jouer. Guerrier, ça va. On clique ici. 19. Donc 19, on va aller regarder à quoi ça fait référence. Donc on va prendre évidemment que les légendaires de classe du guerrier. Donc 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, donc je dois faire un guerrier avec Alexstrasza. Et l'idée, ça va être tout simplement bah, d'essayer de gagner une game. Je pense qu'on va faire deux games. Et bah, si je gagne. si je gagne une game, je garderai ma légendaire. Si jamais je suis pas capable de gagner une game, bah adieu quoi. Oh, du coup, on va se faire un guerrier taunt. On va pas chipoter. Sinon, c'est un peu trop compliqué. Parce que War OTK, ça me paraît un peu compliqué à faire. Non, ou sinon, vous savez quoi? On va faire plus compliqué. On va faire un guerrier face. Mais avec Alexstrasza, histoire de se dire ça va marcher. Alors du coup, tac, c'est parti. On n'a pas beaucoup de temps pour faire un deck. Alors, évidemment, il nous faut Nonoeil. Le problème, c'est que ça va être compliqué d'utiliser Alexstrasza, mais le but, c'est de sauver Alexstrasza. Donc la mission de cette vidéo, ça va être tout simplement de sauver Alexstrasza. Tac, évidemment, on met tout ce qui va dans la tête, hein. La mousse de la voile sanglante. La hache. Les ça aussi. Il nous faut les capitaines. Les capitaines des mers du sud, évidemment. Les petits berserks. Et on va caler une Alexstrasza là-dedans, hein, parce que c'est le but. Hein. Il nous faut les Naga Corsaires. Donc évidemment, le deck sera pas forcément opti parce que je le fais vite fait. Sinon évidemment, ce serait pas marrant. On va mettre deux Arcanites et Leeroy. Et maintenant, il faut qu'on trouve une place pour Alexstrasza. Hop. Voilà, c'est nickel. On tient un bon deck. Est-ce que je le mets sur le côté? Ouais, je vais vous le mettre sur le côté quand même. Et je peux vous dire que ça, vous n'êtes pas prêt, hein. Allez, c'est parti, comme vous pouvez le voir. On fait pas le truc à moitié quoi. On est quand même légende. Et bah le but ça va être tout simplement de gagner une game. On va faire 3 essais. Garrosh contre Garrosh. Ah, par contre, si on commence à taguer des garrosh. Amenez-vous. Je pense qu'on garde tout.
Ouais, on va tout garder. Donc la strat, avec Alexstrasza ici, c'est tout simplement que notre adversaire nous fasse un Radiant Royale dessus. Alors... si je joue contrôle, ça va être compliqué. Hein. Ok, il joue comme nous. On se méfie de la pièce ici. Oh merde! Oh non! On va équiper la hache tranquillement en espérant qu'il fasse juste une mousse. Pourquoi? Tu aurais pu être un clampant de Golaka! Pourquoi? C'est quand même un clampant de Golaka, c'était pas mal contre Warface. Ok, il fait une mousse. Il va mettre une 2-1 aussi dans la tête. Très bien. Oh non. J'ai pas envie de perdre mon Alex. Pas comme ça. On va mettre le Berserker évidemment d'abord. Si il nous joue la 3-4 ici qui buff l'arme s'il a un pirate, il a le trade. Et on sera du coup soit obligé de top decker nous aussi notre 3-4, soit de faire une frappe mortelle. Faites dessus. Confiance au code des pirates. Ok, il va juste trade. Frappe héros, c'est pas la meilleure carte. Est-ce qu'on tente de garder notre arme ou est-ce qu'on met juste le matelot face et on trade avec l'arme? J'aime bien juste frappe mortelle et garder mon arme. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire juste la frappe mortelle ici, garder mon matelot en main, garder mon arme. Si je top deck une 3-4 ou une amélioration, au moins elles seront pas mortes. Étant donné que j'ai déjà une Alex en main qui ne sert à rien. Ça serait beau de gagner un match mirror avec l'Alex quand même. Ok. Seconde de Enzo. Ah, du coup, on n'est pas très content hein, d'avoir utilisé. Ouais, on n'a pas la meilleure main là. Hein. On va frapper Ro et trade là, du coup. Yep. Et on va juste passer. S'il nous fait une hydre ici, c'est compliqué. On espère juste qu'il n'ait pas d'hydre. S'il est un Arcane Tripper, ça va. On va voir ce que ça donne. Ok, Arcane Tripper. Il y a moyen qu'Alex soit utile en vrai. Ça serait très drôle. On va juste armor up ici. On va passer. On va voir ce qu'il nous propose. Peut-être que le tour 9 ça sera un tout petit peu loin. Un tout petit peu juste. Genre s'il a un corcron. Ok, s'il rééquipe une arme, il nous faudra un corsaire. Un corsaire nous permettrait vraiment de tenir jusqu'au T9. Faucheuse. C'est pas ce qu'on veut. Oh, faut tenir deux tours. Compliqué, hein. Ma faucheuse va me servir à trade, donc du coup je pense que le play c'est ça. Et de pas taper avec la faucheuse en fait. Faut juste pas qu'il ait un tour 3 agressif ici. Et si on a la chance de piocher un corsaire, on peut peut-être tenir jusqu'au T9. Merci à NB Polo qui a sub pendant la vidéo, donc tu passeras sur YouTube. Juste il armor up, il doit avoir des frappes mortelles en main ou des Leroy ou quelque chose. Aïe aïe aïe, on n'a pas pu chez deux heal. On va mettre tout ce qu'on a ici. On va évidemment. On peut taper avec l'arme.
en vrai, vu qu'on va s'avec nous. Et on espère pas mourir ici. Sur Leroy et frappe héroïque, on meurt. Mais ça serait terrible de mourir un tour avant notre tech card. C'est notre tech card après tout. Allez, il faut tenir. Il a l'air d'avoir trouvé la solution. La tech card! La méta! Alors attendez. On a combien? On a 5, 9, 11, 13, 14. Donc on n'a pas l'étal. Donc du coup. J'apporte la vie. On va avec Space. On va trade comme ça. Voici la méta de 2017. Allez, faut que ça tienne. Attention. Est-ce que je vais réussir à sauver mon Alexstrasza dans cette game? Qu'est-ce que vous pensez d'Alexstrasza dans le chat? Ça va être la grande question. Et on a gagné! Et voilà, Alexstrasza est sauvé. On va quand même faire les 3 games qu'on a promis, hein. Et voilà, dites bonjour à YouTube dans le chat évidemment. Puisque Alexstrasza carry. Allez, on va tenter de gagner d'autres games. Puisqu'on a réussi à sauver notre légendaire. Je rappelle que c'est un compte où j'ai pas beaucoup de légendaires. Donc du coup, c'est là que le défi est marrant. Donc du coup, je vais à chaque fois essayer de trouver le deck entre guillemets le moins pire dans laquelle je peux mettre la légendaire tirée au sort. Là en réalité j'aurais pu mettre Alexstrasza dans un guerrier taunt, ça serait passé tout seul. Mais c'est bien plus drôle dans un guerrier face vu que quand on la pioche, il faut pas gagner quoi. Allez, on va continuer. Là ici évidemment on renvoie tout, on veut de l'early dans ce deck là. La hache notamment pour aller chercher la wyrm de mana. Et on va voir ce que ça donne. Et donc globalement l'idée c'est d'à chaque fois d'essayer de tirer une légendaire, de faire des decks différents. Là pour la première j'ai fait un deck agressif, la prochaine fois, enfin vous imaginez bien que si on tire par exemple Elise, on fera un deck contrôle et on variera les styles. Ok, donc la Worm de Mana évidemment qu'on avait prévu. Ah ça c'est dur ça. C'est très dur ça. On va juste taper. On va voir ce qu'il fait. Si juste il ping, ça va. On pourra aller chercher la Wyrm au tour d'après. Okay. Il a juste ping. Pioche un matelot. Est-ce que notre meilleur tour ça serait pas de pièce le berserk et derrière de jouer nos cartes? Non, on a quand même envie de garder la pièce pour ça hein. Ouais, du coup on va essayer de le forcer à ping et on va mettre un œil et notre arme dans la 1-2. Et l'idée c'est que si jamais notre adversaire juste ping ce tour, ça veut dire qu'avec 3 de mana il lui restera 1 et avec 1 en général il n'a rien à jouer à part peut-être une deuxième wyrm. Bon du coup ce matelot est plutôt worse. Et si jamais il ne ping pas, j'ai la pièce et je peux récupérer d'autres cartes. Après quand il a sa deuxième wyrm, ça c'est quand même problématique. Ok. On va pièce le corpon, on va tuer cette wyrm. Au tour d'après on fera le corsaire naga pour peut-être aller chercher pourquoi pas un apprenti du sorcier. Et derrière on mettra la faucheuse.
Alors. Que faire? Donc, pour la petite histoire, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'on a casté l'Arma Cup aujourd'hui et beaucoup de gens jouaient contrôle. Donc, voir un peu de pirate, ça nous détend. Alors. Il a l'air de se tâter en tout cas. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. Ok, nous avons un valet de Medivh sans secret. Alors, on remercie Osiris pour le sub, qui se félicite Mandra, qui est un joueur qui s'est qualifié pour l'édition de l'Arma Cup à Rennes. Et on le félicite aussi, hein, belle performance de sa part. Et on a hâte de voir sa performance lors du tournoi. Du coup, on a une 5-4 en phase 7-2-3, c'est plutôt pas mal. On a la faucheuse derrière, le seul problème c'est ce petit berserker écumant qu'on a tendance à vouloir jouer sur le T3. Mais là on n'a pas pu. On a 2-3 dans la tête. Et on récupère un matelot. Là évidemment, cette faucheuse va dans la tête, hein, c'est le principe du deck. Intelligent, j'imagine qu'il va enfin piocher un secret. Ok, parce que messagère de la cabale. Ok, deuxième faucheuse qui est récupérée. On va pouvoir mettre la mousse. Le berserker écumant. On va mettre un matelot dans la 2-2, ça va buffer notre créature. Et ça par contre on va la mettre dans la tête. Donc là ici on espère qu'il n'ait pas de choc de flamme, il arrive sur le tour 7. Un choc de flamme serait très dur pour nous. Que faire? En tout cas, il a l'air d'hésiter. Il part sa deuxième boule de feu. J'imagine qu'il va trade ici et ping. Ça, c'est plutôt bon pour nous. Il faudrait qu'on récupère un truc genre amélioration ou une deuxième mousse. Ok, ça, c'est pas mal si on récupère un pirate au tour d'après. Je rappelle qu'on a une Alexstrasza aussi dans le deck. Qui, malheureusement, ne sera pas utile dans ce genre de match-up. Alors, on va espérer ici qu'il ne détruise pas notre arme, hein, puisqu'on n'a pas grand chose. Il commence à piocher beaucoup. Il devrait récupérer un secret incessamment sous peu. Avec les primordiales, c'est très fort ça. Ok. Il lui reste un de mana, mais étant donné que les glyphes baissent de 2 le coût des sorts, il peut encore jouer un secret ici. Il lui reste un de mana, étant donné qu'un secret coûte 3 de base, il peut encore nous jouer un petit secret ici. Et il part sur une potion de gel qu'il a découverte. Plus des images du miroir, ça c'est très très fort. Il nous faut un pirate là ici, pour mettre de la pression. Pas de pirate malheureusement. On va mettre l'amélioration, il va quand même mettre la 3-4. Parce que ces images miroirs, faut aller les chercher. On a déjà joué nos deux matelots, il nous reste quoi en charge? Il nous reste un corcron. Mais j'ai bien peur qu'ici, on soit essoufflé. Que faire? Il y a le portail qui parle et il va commencer à avoir trop de board là. Nous avons soif de vengeance. Quel berserk. On va être obligé de mettre malheureusement 6 dans une image miroir, ça c'est très très dur pour nous. On est en train de se faire totalement contrer là. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut piocher Alex. C'est gentil, besoin de rappel.
Et donc à partir du moment où le mage se permet de piocher Medivh et de le poser contre un War Pirate, c'est malheureusement qu'on n'a pas mis assez de pression. L'éclair de gif qui va nous geler ici, ça va être compliqué hein. Je vous préviens, je suis instable. L'Amelio, on va quand même la jouer. Il y avait... Bon, il n'y avait aucune raison de la jouer tout de suite puisque toutes les cartes de notre deck étaient activables, même Alexstrasza en plus de l'amélioration. Mais ici, c'est un peu du dépit. C'est les parties où vous sentez que vous pouvez rien faire. Vous avez la sensation que tout s'acharne, vous avez Nonoeil en main de départ. Vous... Et le mage s'en sort plutôt bien puisqu'il a eu les réponses chaque fois. Ah, le limon glouton ici qui est top decké. Il y a une 7 de vie, il nous détruit notre arme. Compliqué ici. On va quand même laisser, on va quand même le laisser nous terminer parce que là il doit être plutôt content. Et à sa place, je le traite aussi. Faites confiance au code des pirates. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Si on était tombé sur Aile de Mort au tirage au sort, pourquoi pas. Mais c'était pas le cas. Et du coup, on va faire un partout avec le deck. Et on va faire la troisième game quand même, histoire de voir s'il y a moyen de finir en positif. Mais si on finit à 1-2, on sera déçu, mais notre Alexstrasza sera sauvé. On va essayer de l'attraper, lui nous a battu. On va taguer direct. Donc ouais, je ferai ce genre de petit concept de temps en temps. Le but c'est de le faire en légende, parce que si on fait ça au rang 15, vous imaginez bien que je désenchanterai jamais de cartes. Donc ouais, le but ça serait de perdre le moins possible, mais de temps en temps perdre, parce que je sais qu'en général ça fait beaucoup rire le chat. Du coup, tac, on va tout enlever. Encore. Mais cette carte est terrible. Cette carte est vraiment terrible. Et lui, son œil sort d'un canon. Bon, bah, on va trade. Hein. Pas très content. Ok, la mousse qui est top decké. On va faire la hache ici. On va pas taper, je pense. On a ça en main. On peut la garder pour l'instant. Pas d'intérêt de taper. En général, contre voleur, vous êtes assez favorable avec, avec le guerrier parce que vous allez plus l'agresser que ce que lui va faire. Après, s'il a un Van Cleef sur 3, un peu compliqué. La confrérie très bien. Voilà, on parlait de lui là. Du coup, oh, c'est compliqué. Faites confiance au code des pirates. On va aller chercher ce Van Cleef, hein, parce que si on le laisse prendre tous les trades qu'il veut, il risque de nous désinguer tout simplement. Okay, la fleur qui pop. S'il a pas d'attaque sournoise ici, ça va, il sera obligé de faire sa pétale, voilà. Il y a beaucoup d'early quand même hein. Quel Leroy qui peut decker. On va mettre le corsaire juste histoire de dire qu'on a, on a de la présence sur le board. La question c'est, est-ce qu'on trade cette 2-2 histoire qu'il n'ait pas le trade on board, ou est-ce qu'on met sa face? Je pense qu'on la met face. On est à 21. Là je le passe à 23, 13, 5. Il y a pas mal des face. Si je commence à faire trop de trades dans ce genre de match-up, c'est lui qui va gagner. Ok,
il a récupéré une exécute, il veut mettre deux. On va équiper ça tranquillement. C'est toute la tristesse du deck pirate, c'est que si vous voulez gagner, vous devez aller dans la tête. Mais parfois, vous sentez qu'elle est dans la tête, bah ça paye pas forcément. 5, 7, 9, 10, 11. Pour Hurlenfer! Ici, on va armor up hein, plutôt que poser la mousse en main. On a les dégâts, on a les 9. On va juste espérer que notre adversaire ne nous tue pas. Il a un Talnos sur le terrain, donc ça peut aller très vite. Il a 5, 7, 9, 10. Il commence par un éventail. Mais deux face. Il lui reste 3, donc c'est 5, 7, 9. Ouais, non, c'est bon. On a gagné, du coup, ça s'est bien passé. À moins qu'il ait récupéré Pot de Fer, qui est la carte à 1 du guerrier qui donne 5 d'armure pour 1 mana. On est bon. Donc voilà, donc comme vous le voyez, un guerrier face, même avec une Alex, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, l'Alex nous a fait gagner une game, ce qui est quand même plutôt cool. On aurait pu jouer le top deck, mais c'est un peu bad manner. On va jouer plutôt les cartes qu'on avait déjà, histoire de montrer qu'on avait un plan de jeu. Du coup, pour cette première édition de la roue, on s'en est bien sorti. On a réussi à faire 2-1. La prochaine fois, sera peut-être plus dur. J'essaierai de faire du contrôle. Alexstrasza est sauvé, je n'ai pas besoin de la DES. À la prochaine YouTube. Et soyez sages.